Alors Olivier, où est-ce que tu m'amènes aujourd'hui? Alors je vais t'emmener chez Denis Imbroisi. Est-ce que tu aimes les pâtes? Ouais, j'adore. Denis Imbroisi, c'est pas celui qui a fait Top Chef justement? Si, et justement il prépare les meilleurs carbonara de Paris paraît-il. Donc on va aller les goûter tout de suite. Ah moi je veux bien savoir, ouais. C'est parti. Et un petit café avant quand même parce que ouais. Ça fatigue. Bon Sarah, là t'as quand même un barman de luxe. Ouais hein. Monsieur Denis Imbroisi. Comment ça va les gars? Ça va et toi? Non, ça c'est du guanciale. Alors, c'est blanc, ouais. Pour faire une carbonara, donc la recette de maman, 100 g de farine à 9 entier et une fourchette indispensable, d'accord? Et pour la carbonara, on a besoin du guanciale, donc je vous ai mis les morceaux juste à côté. Vous voyez, il y a poivre et sel, donc c'est un guanciale, c'est la base de cochon qui est marinée pendant quelques mois. Et ici, on l'a coupé très finement, exprès, et on l'a laissé dehors une heure. D'accord. Si on le met au frigo, il faut couper une heure avant parce qu'il faut qu'elle soit translucide. Le gras soit, ouais. Ça, c'est une chapelure croquante et c'est aussi une touche que j'amène dans l'assiette, chose que dans la vraie carbonara, il n'y a pas aussi. Mmh. Donc, je tiens à le dire. Mmh. Mais nous, on va pas salir, on va plutôt faire comme ça, les grandes tacs. Donc, fourchette, pourquoi la fourchette? C'est comme ça, on ne se salit pas les mains. Ah, tu casses, tu mélanges et après, on le sent au fond à la main. Mais pas le blanc d'œuf. Moi je mets, mais tu peux aussi. Ah, mais toi t'es pas calabraise, toi t'es. Mais c'est non, non, mais il y a des pâtes fraîches et pâtes fraîches. On va aller à la main en fait. Okay. Non, on lave toute la main. Il faut sentir la pâte, tu vois, il faut parler avec. Là, si tu la touches, touche là, elle est trop humide. Après, ça dépend. Ouais. Et en plus, t'as bien raison. Est-ce qu'il y a température ambiante ou pas? Ça, ça compte aussi. Ah salaud. J'aime supporter l'équipe dans la ville. Donc t'es PSG? Exactement. Bon, tu peux y aller. Pizza. Je te fais tous les clichés. Hein. Pizza 10 000 fois parce que j'ai mangé des pizzas au moins 2 fois par semaine. Puis la danse avec les stars. Ah il est bien cet homme. Ah, c'est merci. Merci à toi. Ciao. Écoute, à plus.